Voilà, tout à fait, avec, on va voir si la formation de l'ASCPO parviendra donc à refaire son retard, c'est que sur Colmar de Beaugrosson est bien parti pour enlever donc au cercle final, mais il ne faut jamais dire jamais en football, et Abdoulaziz Sango va remonter pour les heureuses de Wayouya. Voici un ballon sur le front droit, stoppé net et attaché à une faute. La ligne de l'attaque à la formation de l'Olivia. Il va certainement attaquer cette deuxième mi-tête à Boukata pour tenter, pourquoi pas, d'abord de revenir au score et puis négocier l'égalisation soutenue par le public. Très grand jour, mais orange, les grands gabarits sont en train de monter pour tenter de catapulter ce ballon au fond des filets. Et donc, le coup franc, il va donc peut-être chercher le second côté, ou bien on va le mettre directement, tenter de tromper la vigilance de l'ami Diarra. Et donc, ça va partir pour un bon gaucher. On a ici du côté de Wayouya, hein, la Diarra, qui va se détendre, le corner, et Santa, la tête, et c'est un fini de danger pour Wimina, la frappe qui va ricocher, et cette fois-ci sur le défenseur congolais, on va tenter de repartir du côté attention, et finalement, c'est la formation de l'Escolma, on va perdre le ballon, on va jouer maintenant en direction, et ça chauffe, hein, on attend le même. Le pied sur les sénateurs du côté et de la technique de Wayouya. Orientation de jeu, la tête de la voix. Lui, la panneau de photographe. Voilà un ballon. On va contrôler. Et du côté de la technique, Fouboukoum de Wayouya va revenir en arrière. Prendre l'appui au niveau d'Anton. C'est Abdoulaziz, le 204 semble-t-il. Le coulisser. C'est facile. Il va prendre la monnaie. Il va prendre le contrôle du pied. Et ça sera une remise en jeu. Latéral pour la formation de l'AS Colmar, on se place pas du côté et des blancs de Colmar, on met bien géré au coup de patte ici. C'est ce magnifique coup franc d'Amadou Traoré et Abdoulaye Traoré et va donc aggraver le score et qui permet à cette formation de mener dans une rotation aux patients défensifs qui va se récupérer cette fois-ci. On va se relancer sur le bon droit. Voilà, en tant que maintenant de passer encore, on passe la part et c'est Youssouf Pellet qui va obtenir la touche, dans la cordée à Abadine Wermi, me semble-t-il. Et à une faute parce qu'il a appuyé sur son vis-à-vis. Donc, Wayouya qui presse, et qui presse, mais là, qui trouve pas la faille. Alors merci. Le 11 orange. Merci maintenant pour ça yamba baraka usoko lisio bulan wiligam ti wakatanga ASFO yi comme wiligam ti bamba pasake yasi da ti kono ma tara bio yi bu la bamba na moro kometi ku papa we dika na yiti ku papa we dika ya bamba si ku to lo to balen pa bisu o se si dika o ba tia ba si da benere o fina ta bu ba si bara ba ba rilla yelam ti yeti o ba ya tandi ya bu ko ti orji wa rilla so wan pa bala ni to ndika la AS Colmar veut la passe à que Bamba Tugame dit comme nous n'entendons tous balla et toi donc la Bamba Kaoulou Yamati AS CFO association sportive centre de formation de football athlético il y a 2013 à Youm de la Bamba Pama Rogon il y a Nenina Obzombota Asami Giro Ntawa Yayama Nantawa Ampak ça y est ça y est ça y est ça y est président fondateur monsieur Asami Giro welcome to Atletico Bamba na wange do mena ko ko ya samlewa ale me ko ta ko yi pipi sa ne re
di nora kane nangke la pus bama bar kala pus ne ni spa se ke ro menga yubi sikra puka to yi no bala puka wal di kane bar ni di association des sportifs du de wayubia bamba modo bare ti bamba tour kane sa ne sa ta damba o mi sombol di coupe de sa majesté no wa tiou et di certer ila ta no ko tu karna ko sa bama me bar pus go et bama me ni dira panga o yi bara na ko ke ta ore ne ni spa ni dira panga o yi bara Burkina Faso bara ne kenta ore ter kusuka bar ka usgo magi traore arete bamba ne ren di yatenga gade na baka ramba fa de mim ti falem fc ne isa zampa ligue ramba vaya ndi di panga ramba ija squad ndi yatenga ne pas asc ko de deuxième division ndi de panga na to bon pa man kenga premier division zigi ti kusuka to bar usgo basi usorgo adama sarabi voilà merci au microphone pour son résumé mais déjà il faut dire que l'équipe de Yatenga, HC de Yatenga, CFAO plutôt de Yatenga, est revenu à tout à l'heure de la pause, puisque j'avais décidé à revenir au score, parce que là, ils sont partis avec deux buts de retard. Voilà déjà ce remplacement effectué, le 209. Il prend la place du 209. Ouais, le 209. Il s'agit là. De Belém Issoufou. Belém Issoufou qui cède sa place à. C'est parti en tout cas pour ces 30 minutes qui vont rester certainement parce que là on a presque brûlé 5 minutes. Donc un 5,50 non un quart d'heure pour l'équipe de Wayubia, je crois. Donc pour l'équipe de Colmar AC. Un corner pour l'équipe de Colmar AC. Et le corner va être voté d'un moment à l'autre pour. Voir ce qui va se passer, c'est parti avec ce corner qui est parti et là le renvoi de la défense de CFAO, c'est parti avec le numéro 8, le capitaine de cette équipe du Bafet. Oh là là, il attendait les photographes et voilà le latéral qui vient à son secours. Malheureusement, son contrôle a été long et ça sera une touche pour Colmar AC qui va s'exécuter avec le numéro 7 de cette équipe. La touche va être d'un moment à l'autre exécutée tout à l'heure. Et voilà la touche qui part avec le milieu de terrain, récupération de Olivia. Olivia, et c'est le milieu de terrain qui se récupère. Et voilà, le capitaine qui envoie ce ballon, le ballon qui ne trouve malheureusement pas l'attaquant qui était là posté pour attendre ce genre de ballon. Et c'est un engagement de la défense de Colmar AC. C'est parti avec Olivia qui récupère. En tout cas, tous les deuxièmes ballons sont récupérés par Olivia. Malheureusement, la finition n'y est pas. Et c'est une équipe technique quand même de Wayubia face à une équipe réaliste de Colmar AC qui voilà, on m'a croit déjà ces 2-0, ça montre déjà que c'est une équipe qui a véritablement une équipe réaliste et on attend de voir la fin de ce match pour voir ce qui va se passer. Cette touche est partie avec l'ailier droit qui est venu récupérer le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de dribbler. Et ça sera entre deux défenseurs, malheureusement il ne pourra pas passer. Et c'est une récupération de Colmar AC qui va partir avec. Là oui, je crois que l'arbitre a sifflé une irrégularité et ça sera un coup franc pour la défense de Colmar AC qui va voter ce coup franc. C'est le défenseur central qui s'en charge pour le moment. Le ballon est parti en chandelle. C'est parti avec le latéral qui défonce l'attaquant de Colmar AC et ça sera une touche pour Wayubia. La touche est partie, rapidement jouée, amorti de poitrine malheureusement. Pour lui, la défense était là pour venir gérer cette action et c'est une touche encore pour l'équipe de Wayubia. C'est parti, le milieu de terrain qui récupère le ballon et c'est. Voilà, je vois un joueur qui se tord de douleur. Je crois qu'on appelle les soigneurs. Et on espère qu'il y aura beaucoup plus de bien que de mal. Basurou Soro, comment est-ce que tu vois la physionomie de ce match? Puisque après les 35 premières minutes, Wayubia est rentré avec un retard de 2 buts. Ah oui, un retard de 2 buts. Malgré de belles factures lors de la première période. Alors même qu'on joue la 11e minute pour cette deuxième période, toujours 2-0. Mais je crois, Damas Alambéré, que comme on le disait depuis ce matin, véritablement les jeunes essaient d'appliquer ce qu'ils ont appris sur les différents terrains au cours des différentes rencontres. C'est de la formation. Il faut regarder cela comme on le pense et on pense beaucoup plus
à l'avenir que véritablement autre chose. C'est le fond d'ensemble qu'on regarde. Et on voit depuis le matin que des efforts sont faits par les différents acteurs. Et c'est pour cette raison qu'on va saluer le président de la coordination nationale du football des jeunes, saluer les 13 coordinateurs régionaux, saluer le président de la Ligue régionale de football, saluer également la commission centrale des arbitres. On ne va pas oublier la Ligue de football des jeux et le comité exécutif de la Fédération Burkinabé de football. Merci pour tous ces efforts. Pour pouvoir jouer 800 matchs, il va falloir beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Et je rappelle aussi le Sorgho, le quota pour ce genre de compétition, le quota des essais internationaux du football donne 600 matchs à jouer. Donc vous voyez que le Burkina Faso a un excédent de 200 matchs. Donc c'est pour dire que l'objectif est atteint et le quota est également. Voilà, l'objectif est atteint véritablement, c'est ce qui était recherché. Et on va remercier en tout cas les uns et les autres pour tous ces efforts aujourd'hui. Ce ne sera pas de remercier la presse, mais qui va certainement donner l'information. Et en temps réel, Radio Burkina est en train, bien sûr, de retransmettre cette rencontre pour faire vivre l'événement de Wayuguia à tout le Burkina Faso. Et comme Radio Burkina est sur le net, et bien sûr sur le canal. Remercier également les talents point net de Bébé Philippe. On va remercier Face au point net, remercier Salam Konoto, Radio Légende, Twit TV, WatFM, la RTB Radio, la RTB Télévision, Collision FM, Saman FM, Omega, Sinoya, AIB. Bien sûr, on va remercier LCA, Ouaga FM, Le Quotidien, L'Observateur, Radio de l'Unité de Wayuguia, Radio Cosmos, Start Afrique, Face aux Vous avez remercié la presse nationale, vous oubliez la presse internationale. Et la presse internationale, vous le savez bien, depuis Wayuguia. Depuis Wayuguia, la correspondante Gabriel Barois, RFI. Voilà, et qui est bien dit. Il aime ça, et je le sais. Adama Salamberi, et on lui permet de faire ce qui lui plaît. On va remercier monsieur le représentant du parrain, remercier le représentant du maire, remercier bien sûr toute la sécurité qui est là, remercier la Croix-Rouge, Wimpanga, Wetago. Véritablement, c'est un succès cet après-midi, et vous savez le dire très bien à mourir. Basi wu sorgo do nampu sa yamba barka wu sogo do mimti yasida tuunda sidi ya bela vense zugu yate na zugu zeka me wegi zugu zeka me balabarega tuunda la basi wumi digame tumi yama tae ne tuunda balabasange sa bala zaka wa neba santo hongo mpidi kapidi mininga wumi digame ti neba menga yama bene yu sikra neba yama bene bala neba me ligame yekuma na saka me until colonel doctor sita sangare ne porende ba senya yama na to Now Bala Utoatia, Pombarga, Nanova, Timothy, Tumasina, Hala, Yuba, and Nanga Namba, say you Pila, Nayu Pila, Yopoya, Laza Ramosa, and see a new Pila, where Romba, Pantanga, get a Panga with the name, and Tiwakatanga, Yabo Tula Sode, Kiba, Ayas Kwama, and Bamba Zuno, Natali, who say, Oh, Pilapanga, Tobia Suma, and Laya, Biba Nakabe, waiting up a couple of Biba, combating the Pala, and for And I don't know, come up at a two of a mass and baby, come up a young and let over to change you are, or come up at the main garage, papa, whatever say Barcelona, Hamima, you are, the darling of you.
Donc, ton équipe est menée, mais on va faire avec. Je disais qu'après, le football restera. Le domaine de Saint-Sacré-Cœur, c'est par le public, hein, il faut réagir et pourquoi pas revenir au score. On va voir la formation, une faute accordée à la formation. De l'AS Palma, passez un ballon, on va tenter de jouer dans le camp. Un ballon en profondeur, personne n'est là. Sinon, on va servir tranquillement le gagnant pour le Zan Kassamako. Il va rapidement aller. On va tenter le passage. Attention, on s'amuse. Monsieur Koula, une des postes est finie. On va faire des armes de ballon, nous avons. Comme dit le Zan Kassamako après cette réduction de score. Voilà donc. Il retourne le sourire dans l'espoir de terre. Lycée Poulan, tu es un petit. Wakatan a atteint là-bas, et c'est là. Et si dernier n'a pas d'année, et bas, comme il y a du baguette là. Vous avez dit, tu n'as pas eu le vipatien, et vous avez eu le cours de maille qui est là. Et dernier n'a pas dit, mais pas tant que de travail. Remplacement des deux athlètes de ce qu'on va l'appeler a lieu et place bien sûr du total je pense de 13 qui est entré avant que la partie se poursuit du côté de Je pense que c'est pour le football des jeunes. C'est vrai que les buts sont intéressants, mais je crois que les différents techniciens sont en train de regarder les jeunes évoluer pour regarder ceux qui ont des marques de protection, qui ont de la valeur et qui peuvent véritablement progresser pour le bonheur des équipes nationales de Burkina Faso. Et c'est le 204, bien sûr, ça va devoir plus la 10, qui va envoyer une balle de l'autre côté avec le nouvel attaque qui sera stoppé par le 209.
Pourquoi pas, et certains photos, en tout cas, une bonne vision, tu allais, pourquoi pas,
ce tireur, le ballon a dit que je la part du stade. Et ce sera un thème exceptionnel pour l'équipe de Wojbia, c'est pas de Wojbia. Le dégagement est parti avec le défenseur central numéro 5 qui dégage ce ballon avec la récupération de Colman Assé qui a toujours le contrôle du but. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer du milieu de terrain et le latéral qui déborde là-bas, un passement de jambes qui n'a pas permis à ce milieu de terrain de se dégager. Et c'est un long ballon qui va atterrir du côté du numéro 7 qui va déborder. Et ça sera un latéral vigilant qui vient. Ce ballon pour une touche en faveur de Colman Assé qui multiplie en tout cas la réaction positive, il faut le dire, de Colman Assé qui depuis l'égalisation en tout cas est en train de revenir sur sa première prestation. On les a vu en temps de cette rencontre. Colman Assé avait déjà appuyé sur l'accélérateur et avait annoncé à haute voix aux spectateurs ce qu'ils avaient déjà l'ambition de faire avec il y a deux buts marqués et voilà que Wojbia a réagi en égalisant. Du cuir, monsieur le Sorgo. Oui, attends, c'est la mairie. Oui. On va avant de continuer, on va remercier Sinaré de la voix du paysan qui est là. Et bien sûr le point focal de la GSB. Sinaré, merci beaucoup pour tout ce que vous faites ici pour le sport de façon générale. Mais vous pouvez la patrouiller. Avec cette équipe de CMAO qui cherche et les portiers, bien sûr, les combats avec le nouvel entrain, le bonheur de l'unique, Amel Baro, il va se faire passer là-bas. Amel Baro, il va passer la défense, bien sûr, de CMAO. Alors, Lucien Koula, la partie s'est brutalement allumée et pour cause, les deux buts coup sur coup de CFAO sont venus donner une autre couleur à cette finale. Maintenant, c'est les Congolais maintenant qui sont au calme parce que là, ils voient le match peut-être tellement plié, mais là, il fallait compter avec la volonté, l'envie, la réaction d'encore des joueurs. En tout cas, placer les logis pour permettre à cette formation de revenir à 2000 parcours. On va dire tout simplement de nous préciser. En cas de match nul, nous irons directement aux épreuves, faciliter les tirs au but pour départager ces deux formations. C'est vrai qu'il n'y a pas eu que, en tant que tel, il y a du matériel, il y a des jeux de maillot, il y a tout, il y a des équipements et des équipements pour. Et donc, les deux formations, mais il faut être d'ailleurs, c'est ça aussi. Et donc, on va le mettre en tout cas. Le coach Kamouma, lui qui aime le football à déjà, il est au niveau de la tribune officielle. Voilà donc le bon report, il est content. Il est content, il est de la voix. Voilà. Il est pas mal au gamin. L'équipe est revenue depuis par là. Avec une voix forte, il faut saluer en tout cas et cette détermination des deux formations. Voilà maintenant pour ça, Yama Barka, il s'y résume, il est de Balmer. Équipe il va tirer Vigra Balle dans sa auto guette et à cette équipe pour passer de Vigra Balle qui est comme un mena, le Touvaniac, Vira Yiba Menga dans ton pas, ça va pas, donc nous l'en dit qu'il y a, ça va pas, 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 attention à cette incursion de l'attaque
comme la défense, on va se dégager. Je suis d'accord. Quelques minutes ici pour que Félix Amiens cette partie. Lidiana, Ruben Kodio, le Samantini, on va se faire une sortie de l'âme pour la remise d'un petit chemin. Il est 3, il est nommé, bien sûr, Fatah Abdul Kaname, Fatah Abdul Kaname, le latéral 3 de cette équipe de ce Mario. Et qui va se relancer, et c'est parti avec une balle à spiquer, Sherma. Bien sûr, c'est Colman Assé qui va anticiper pour aller chercher le puits et se dégager rapidement. Ballon à Chandel dans la lutte, disputé de la tête. N'envoyez pas la défense de ce ballon, pas pour longtemps. Attention à cette équipe de Colman Assé et c'est le portier de ce ballon qui va aller lancer rapidement. Oui, je vous le disais, parce que nous sommes que d'un cas à l'autre, beaucoup de choses pouvaient changer. Parce que là, les deux équipes sont à égalité, deux buts partout. Ça veut dire que c'est un jeu maintenant équilibré et personne n'a intérêt à perdre du temps parce que là, tout un chacun, aucune des deux équipes ne veut aller au tir au but. Et chacune des deux équipes, en tout cas, mouille le maillot pour marquer le troisième but pour ne pas véritablement aller aux épreuves pratiques des tirs au but qui peuvent encore compliquer la situation. Donc, c'est un jeu franc que nous sommes en train d'assister ici. Et vraiment, comme c'est pas que je vois une fois, les deux équipes sont en train de sortir les équipes pour. Pourquoi pas remporter le gain du match souterrain au lieu de passer par les épreuves fatidiques des tirs au but. Et c'est ça, c'est une faute parce que l'attaquant a subi le latéral gauche de cette équipe c'est une faute réalisée sur ce latéral qui s'est touché et qui s'est heureusement relevé et a joué ce coup franc. C'est le coup franc est parti avec le latéral qui n'a pas pu envoyer le ballon là où il souhaitait que le ballon atterrisse et ça sera une touche pour Colman Assé de Bobo Dinasso qui, après avoir mené 2-0, s'est vu rattraper au score avec ses deux buts marqués coup sur coup pour l'équipe de Waïvia qui, quand en tout cas, comme tant bien que mal, a marqué le troisième but. Et il trouve pour le moment actuellement assez sur la route qui organise également la riposte pour pourquoi pas marquer le troisième but et pourquoi pas remporter. Nous sommes là. Est-ce que le remontada est possible? Bon, le remontada a eu lieu. Et déjà, maintenant, il reste à savoir quelle est l'équipe. Nous sommes là. Attention parce qu'on a eu ça deux fois, LS Colman a failli et donc marquer ce troisième but, lui était quand même la vigilance du gardien de but, donc tout n'est pas encore fini, on sent un but, 4 minutes de temps additionnel. Nous l'a dit donc le quatrième officiel, Zorop Moussa. Et donc attention, malheur à celui qui va encaisser ce troisième but. Et on va repartir. Maintenant, avec la formation, vous venez très très bien jouer. Merci. On va se renvoyer comme on fait. Voici un ballon. Et dans le camp, on se renvoie. Et finalement, on va ressortir ce ballon pour qui un ballon qui va mourir dans le décor. Plus que 4 minutes à jouer. Et
Certainement, nous aurons droit aux épreuves des tirs au but, mais à la lueur dans les choses, peut-être aura un but, on ne sait jamais. Il faut toujours y croire avec cette formation, donc les Oranges et donc de Wayuya. L'Atletico, la tête de l'envoi maintenant. On va retrouver la Sami Gira qui va retrouver son numéro de la périphérique, va envoyer un ballon et dans le corps. La défense va retour. Le tango, il est dangereux. Oui, c'est Mohamed Tao qui était bien retenu. Et donc, je crois que pour le moment, merci du Sango, les deux équipes aura tout donné. On va pas hésiter à jouer la fin de la partie ici. Ouais. Et tant pis pour les cardiaques. Abdi Nounou, les deux salariés. Voilà donc, il faut revoir votre micro, Vassou Michalou, avec ce ballon dans le camp. Et j'allais dire le bon gérissement de la charnière centrale pour envoyer ce ballon. On va contrôler maintenant du côté de Cepao. Il va se battre, on va récupérer ce ballon. L'une des dernières attaques de cette formation. Vas-y, il va passer en revue, il est bien joué. Il le prend pas. Le stand de la voilà, peut-être il va jouer une minute. Attention, c'est tellement qu'il veut préparer le tir au but. Il va passer avec lui. Pas sur le sapin. Il va falloir le viser. Il s'agit de Kaname. Abdou Fatah au Kaname. Il reste quelques secondes. Bayili de Omega Nubi qui reste pour une extraction alors que le remplacement va s'effectuer avec le 211 de Colma. Il s'agit bien sûr de Colma le tableau. Est-ce qu'il pourra rentrer? C'est pas évident, c'est la fin. Terminé ici au stade municipal de Wayuya. Quel match époustouflant! Elle a failli partir ici. Barricade est pour la fédération burkinabé. Qui l'a mis? J'ai pas peur d'entendre le matin. Le passe de la, c'est le pas de la, le passe de la.
Merci.